Et la réaction de Romain Grosjean sur la pole de son ex-équipier, Kevin Magnussen, c'est parti. Kevin en pole du Grand Prix de Sao Paulo, ça c'est incroyable, c'est génial. Alors, Bien évidemment de la réussite en Q3. petite précision quand même, il n'est pas en pole du Grand Prix de Sao Paulo, il est en pole de la course sprint du Grand Prix de Sao Paulo. Soyons précis, cher Romain Grosjean. En partant le premier, mais il fallait le faire ce tour-là, c'était pas des conditions faciles, la piste avait été remouillée depuis la Q2. Kevin a fait le tour qu'il fallait faire au moment où il fallait le faire. Bien évidemment, les étoiles s'alignent, Russell part au bac à gravier. Séance interrompue, pluie qui arrive. Et du coup, pole assuré. Mais ce tour-là, il faut aller le faire. Donc, Kevin, extraordinaire. Content pour As. On va pas se mentir, ça va être un petit peu plus compliqué en course. Maintenant, Kevin, c'est un viking. Je pense qu'il peut faire du super boulot. Je pense qu'il va se défendre comme jamais. C'est une opportunité de dingue. Mais en tout cas, voilà, bravo à lui, bravo à l'équipe. Comme 9 voitures sur 10 a réussi à choisir les bons pneus en Q3. Il n'y a que Leclerc malheureusement qui s'est fait avoir. Mais en tout cas, voilà, super content pour As, super content pour Kevin. Et je pense que ça va nous offrir en tout cas une course sprint et un grand prix assez sympa. Alors je ne le mets pas sur le podium Kevin tout de suite, mais je le mets 7 ou 8 du grand prix. Ouais, 7 ou 8 de la course sprint ou du grand prix. Soyons précis encore une fois. Moi, je mets 7e de la course sprint et grand prix 9-10. Voilà. Voilà mon pronostic. Vous en pensez quoi? Ciao.